des tâches, nous des biens de la terre. Donne-nous amour et saveur pour les choses du ciel. Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Bonjour amis de la miséricorde, en ce lundi 15 novembre, où aujourd'hui c'est l'épisode de Bartimée qui est à l'honneur, puisque dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 18, versets 35 à 43, on nous raconte son histoire. Vous connaissez l'histoire de Bartimée, cet aveugle, mendiant, assis sur le bord de la route qui allait à Jéricho et Jésus vient. Et Jésus va entendre l'appel au secours de ce pauvre qui crie, malgré les voix qui lui disent de se taire, qui crie vers Jésus, « Jésus, aie pitié de moi !» Eh bien, le miracle va arriver. Premier miracle, il s'arrête. Deuxième miracle, il lui dit de venir vers lui. Et enfin, d'exprimer sa douleur, son désir, sa prière, et il sera immédiatement, aussitôt, à l'instant, guéri de son aveuglement, guéri de sa misère, et il va se mettre debout, c'est-à-dire il va ressusciter, et il va suivre Jésus jusqu'à la Jérusalem céleste. Alors ça nous touche beaucoup cet épisode, parce que nous sommes tous comme lui, Bartimée, aveugle, mendiant, et nous crions vers Jésus parce qu'il n'y a plus que lui qui peut nous aider. Et nous le savons, et nous avons confiance en lui. Alors aujourd'hui, nous allons demander à Saint Albert le Grand, qui vivait au XIIIe siècle et qui est un docteur de l'Église, d'intercéder pour nous, pour toutes les intentions que nous portons dans le cœur, et en particulier pour les membres de nos familles qui sont difficiles à vivre. Oui, Jésus nous conseille d'apprendre à pardonner, à supporter, mais des fois c'est vraiment dur. Alors nous te confions, Seigneur, tous les membres de nos familles qui sont difficiles à vivre. Nous prions pour les malades, et en particulier les malades du Covid, comme Jocelyne, les malades du cancer, comme Ahmed, tous les malades. Que Dieu soit présent dans la vie des membres du gouvernement. Nous prions pour les âmes du purgatoire, pour qui personne ne prie, et en particulier nous prions pour l'âme d'Irène et l'âme de Gilbert. Nous prions pour ceux qui souffrent d'obésité, Isabelle, et tous les malades. Jérémie, Louane, pour Thomas qui cherche l'âme sœur et tous ceux qui sont dans ce cas, qui veulent fonder une famille. Nous prions pour nos enfants, nos petits-enfants, que nos familles soient converties. Nous prions pour les femmes stériles. Seigneur, exauce toutes nos prières. Nous prions pour Gilbert, Younes, Isabelle, Alain, Patrick, Marieux, Florence, Emmanuel, Sarah, Eddy, Marie, Gabrielle. Nous prions pour tous les prêtres et en particulier ceux qui sont partis en retraite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés, de ceux du monde entier et de ceux de toutes les âmes du purgatoire. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés, de ceux du monde entier et de ceux de toutes les âmes du purgatoire. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés, de ceux du monde entier et de ceux de toutes les âmes du purgatoire. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier et de ceux de toutes les âmes du purgatoire. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier et de ceux de toutes les âmes du purgatoire. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion,
sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous, pour le monde entier. Et Seigneur, nous présentons toutes nos misères, tout ce qui est misérable, pauvre, aveugle, assis, mendiant, impuissant, à ta miséricorde. Fais le même miracle que tu as fait à Bartimée. Fais-nous revivre, fais-nous, ranime notre foi, ranime toutes nos familles, ranime, redonne la guérison à tous nos malades. Seigneur, nous avons confiance en ta miséricorde. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous offre, doux Jésus, pour les âmes du purgatoire, les langueurs et les défaillances que vous avez ressenties, jusqu'à ne pouvoir porter plus avant cette pesante croix, dont on fut obligé, non pas par pitié, mais par peur de vous voir expirer en chemin, de vous décharger pour la faire porter par Simon le Cyrénéen. Amen. Eh bien, aujourd'hui, c'est lundi, donc l'Église propose que nous prions les mystères joyeux du rosaire. Et sur la chaîne YouTube des Toits Notre-Dame, c'est les mystères joyeux du rosaire du Saint Nom de Jésus qui vous est proposé en image. Et vous allez donc pouvoir comprendre vraiment la puissance de ce seul nom qui est donné aux hommes, le nom de Jésus. Alors priez bien pour obtenir les miracles. Soyez comme Bartimée, n'hésitez pas à crier et à crier malgré toutes les voix qui vous demanderont de vous taire. Persévérez en criant le nom de Jésus. Voilà, que Jésus nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fin de ce lundi et je vous donne rendez-vous à demain. Si Dieu le veut et si vous êtes présent aussi. Mais vous pouvez prier par le cœur, par la pensée, même si vous êtes loin. À demain !